Conscient du rôle de la planification familiale sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile, nous avons décidé de travailler sur l'augmentation de l'accessibilité de la femme à la planification familiale. Comme vous voyez, nous sommes une équipe de jeunes développeurs, agents de santé et bénéficiaires. Et nous savons que la situation doit changer. C'est pour cela que nous avons développé l'application Seytounyour, qui est une application e-santé de gestion des naissances. Notre application comporte 5 fonctionnalités, dont le menu qui est déjà très intuitif. L'utilisateur peut choisir la langue qui lui convient, ce qui permet de pallier au problème d'illettrisme de certains de nos utilisateurs. Dans la rubrique calendrier menstruel, notre utilisateur peut renseigner des paramètres qui lui permettent de pratiquer la contraception naturelle. Ensuite, la rubrique planning familial liste toutes les méthodes de planification familiale avec les avantages, les inconvénients, les coûts et méthodes d'utilisation. L'application intègre également la géolocalisation des structures de santé et pharmacies dans la localité de l'utilisateur. Enfin, la rubrique information regroupe des forums publics et privés, mais aussi des vidéos de sensibilisation disponibles en langue locale. Dans le cadre d'un forum privé, l'utilisateur peut interagir avec un agent de santé, notamment par système vocal. En donnant accès à des informations de qualité et un accompagnement personnalisé, notre application va permettre aux femmes d'espacer les naissances, d'éviter les grossesses à risque et les grossesses non désirées. Vous voyez, à ce hackathon, nous sommes venus individuellement, mais nous repartons tous en équipe, prêts à relever tous les défis afin d'améliorer la santé et le bien-être des femmes au Sénégal.